Le transport urbain secoué par une crise. Le paiement annuel de la taxe de transport urbain s'élève à 100 000 francs CFA. Un paiement qui se fait dans les centres des impôts et qui est reparti entre la GTU, l'agence des transports urbains, et les collectivités du périmètre des transports urbains. La taxe de stationnement est comprise dans cette somme et elle s'élève à 18 000 francs CFA. Mais voilà, que débourser 100 000 francs aux impôts ou 18 000 francs au district d'Abidjan ne fait pas de différence. Et les transporteurs ont vite fait le choix de la taxe la moins chère. Nous ne comprenons pas pourquoi il y a cette cohabitation de deux taxes sur le terrain, de sorte que depuis quelques temps, on a deux types de taxis qui roulent avec des documents différents. Pour une meilleure lisibilité fiscale dans le secteur, les propriétaires et chauffeurs de taxi-compteurs font recours à leur hiérarchie, le Haut Conseil des transporteurs de Côte d'Ivoire. C'est l'union qui fait la force. Si on est unis, on peut défendre tous les dossiers. Les dossiers qui nous est donné ce matin, moi et mes camarades, on fera tout pour défendre. En tant que transporteurs, ils ont les droits, parce qu'ils ont dit pour eux. Nous aussi, on va tout faire pour comprendre aussi quelle est la vérité. La mise en place de cette deuxième taxe, si elle est confirmée, aura pour mérite de créer le désordre sur le terrain. Une autre conséquence à mettre à son actif, le faible taux de recouvrement de l'Agence des transports urbains, donc un boulet dans la réalisation de ses missions.